Coucou à tous, on se retrouve dans un nouveau tuto aquarelle et doodles spécial Saint-Valentin où j'ai décidé de vous apprendre à réaliser cette aquarelle toute mignonne, pas trop gnangnan mais juste assez pour préparer la Saint-Valentin. Il vous faut des aquarelles, du papier spécial aquarelle, un crayon, un Posca noir, du drawing gun. J'ai trouvé le mien à moins de 5€ chez Cultura. Pour ne pas abîmer vos pinceaux, je vous conseille d'appliquer le drawing gum avec des cotons-tiges et des cure-dents. Et il faudra également un pinceau. On commence par dessiner plein de petits cœurs sur le premier tiers de notre feuille. Je gomme ensuite quelques traits de crayon pour un rendu un peu plus propre. À l'aide d'un coton-tige, j'applique du drawing gum dans les cœurs et sur toute la surface qui se trouve en dessous des cœurs, de manière à protéger mon papier. Ça nous permet d'éviter de mettre de l'aquarelle dessus et de garder un papier bien blanc. Je dessine ensuite en haut de ma feuille quelques nuages. Moi, je dessine de cette façon. Après, c'est à vous de trouver le style qui vous plaît le plus. Encore une fois, je viens les recouvrir de drawing gum avec mon coton-tige et j'utilise un cure-dent pour plus de précision et réaliser les petits détails. Et quand j'ai terminé, je laisse bien sécher le drawing gum. On passe à la partie la plus amusante, je trouve. On va faire couler des gouttes d'aquarelle en partant des nuages. Alors pour ça, je dépose des gouttes d'aquarelle et je viens relever mon papier et le tapoter sur mon plan de travail de manière à faire tomber les gouttes. Protégez bien votre plan de travail en mettant un sopalin en dessous. Ensuite, je viens tremper mon pinceau dans l'aquarelle et le tapoter contre mon doigt pour faire des éclaboussures partout sur mon dessin. Je laisse sécher mon aquarelle, puis quand elle est bien sèche, je viens gratter tout le drawing gum et vous voyez que le blanc de la page se révèle dessous. Je dessine ensuite une branche d'arbre et la silhouette de deux oiseaux qui se regardent. Pour le modèle, je vous laisse regarder la vidéo, ils sont vraiment très simples à dessiner. Je les repasse ensuite avec mon Posca noir, sans trop prêter attention à l'intérieur, puisque de toute façon, seule la silhouette nous intéresse et nous allons colorier le tout en noir. Je ne l'ai pas filmé, mais j'ai également colorié une bordure noire avec mon Posca noir. Je repasse ensuite les contours de tous les cœurs en épaississant un petit peu ces lignes. Et je colorie certains petits cœurs complètement en noir. Je fais pareil avec mes nuages, je repasse les contours en épaississant mes traits. Et maintenant, on va remplir tout ça avec du doodling. Alors du doodling, c'est quand on réalise des petits motifs géométriques ou pas. Un petit peu comme ce qu'on griffonne quand on est au téléphone. À vous de vous inspirer ou bien de mes motifs, ou bien d'en inventer de nouveaux. Donc le but étant de remplir tous les cœurs et tous les nuages avec des motifs assez sympas. Et je trouve que ça fait ressortir les cœurs et les nuages et que ça donne du contraste au dessin. Et c'est terminé. Voilà donc pour ce tuto aquarelle et doodles. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. En ce moment, je poste énormément de vidéos, tutos, dessins et aquarelles sur ma chaîne. J'ai l'impression que c'est ce que vous préférez, donc j'en fais plus parce que j'adore ça également. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de DIY. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire un DIY pour la vidéo de la semaine prochaine. Et comme toujours, pensez à utiliser le hashtag InspiByTipeee pour me montrer vos créations inspirées d'Emiane sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !